Jodi a, c'est 21 août. Bienvenue dans Fête la Belle. C'est 233 jours dans l'année a qui a fini dans 132 jours. N'a pas rappelé, Fête la Belle, pas défendre ni critiquer aucune religion. N'a pas fêté avec Saint Pape Pie X. Yon pape ki te konservate, men bon travaye. Nap toujou panse avèk Saint Bernard Clairvaux. Gen moun ki chache konesans pou konesans. Sa rele kuryozite. Gen moun ki chache konesans pou moun kap konen yo. Sa rele vanite. Men gen moun ki chache connaissance pour le capable servir l'autre monde, ça relève remet Saint Bernard Clairvaux. N'a réfléchi sous prophétie de Saint Malachie. En pile travail, c'est gros causé. Pas oublier, n'a préparé question, n'a préparé un livre tout. Nous sommes capables de joindre toute vidéo Fête la Belle qui est publiée déjà depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui à notre website www.fêtelabelle.com. Fête la Belle, c'est sous information et formation nous et c'est remède problème émotionnel nous. Pas quitter stress tout et nous. À nous avancer. Bonne fête la belle. N'a parlé de pape Pie X. Littéralement, Giuseppe Melchiorre Sarto, qui était fait en Italie en 1835. Il était sorti dans une famille qui est pauvre. Il était obligé de marcher 6,5 km chaque jour pour aller à l'école. Mkwem de kon mache distansato. Li te ordonne pe 18 septembre 1858. Li te vin rekte seminer Treviso.
te facilite l'ekol publik yo pou yo gen edukasyon religye tankou katechis, sitou nan zon rural yo. Li te etudye dwa kanon, e li te vin achevek a 1867. Sa to te vin pap 4 août 1903. Li te vin rele pap Pidis. Alors, c'était de 1903 jusqu'à 1914, date de l'été mouri, l'été pape numéro 257. L'été un modèle monde qui était opposé à modernisme. Ça veut dire, l'été opposé à toute interprétation moderne doctrine de l'Église là. L'été encouragé participation active fidèle dans l'Église là. L'été réparer l'église, l'été augmenter l'hôpital. Et c'est Mandel l'été mandé l'argent pour le faire travailler ça, l'été mettait propre l'argent partout. L'été réaliser réforme dans liturgie et même dans l'aspect légal. L'été voulait restaurer toute bagaille avec aide Christ là. Réformer, toucher toute presse à bréviaire, liturgie, eucharistie, sacrement, pénitence. L'âge pour faire première communion était réduit de 12 ans à 7 ans. Catéchisme là était uniforme, était plus simple, était plus valeur, il était ta sorte de résumé pour mon apprendre plus facile. Même j'ai avec Saint Thomas, il était accepté l'idée pour marier raison avec révélation. C'est pour ça les croyants modernistes relativistes capable affecter la foi d'un chrétien. Pape Pidis te commencé production code de droit canon et qui pas vraiment existé. Te commencé li et c'est Pape Bénédicte XV qui t'a pral promulgué en 1917. Pape Pidis te dévoué à la Vierge Marie sous nom Notre-Dame de la Confidence. Il était tellement aimé Marie, il était couronné sous plusieurs dénominations, Notre-Dame de Aparecida, de Pilar, de Cape, de Chiquinquirá, de San Juan de los Lagos, de la Naval de Manila, Virgin of Help de Venezuela, etc. Il était accepté usage langue yon pep pour célébrer la messe. L'été descend l'âge pour tout le monde, j'en ai dit, pour tout le monde faire première communion, et de 12 ans à 7 ans. L'été adopté philosophie Saint Thomas, et nous songeons Saint Thomas a écrit une somme théologique, et ça a le thomisme. Eh bien, l'été publié 24 thèses de Saint Thomas, qui d'après lui, c'est fondement même l'Église là. Dans le mois de novembre 1913, Pape Pidis a déclaré Tango immoral. Ça veut dire qu'il y a des danses qui n'est pas acceptées dans l'église. Il était remis à faire la charité, même là, il était négligé pour peut-être parler. Pape Pidis était devenu malade. Problème Première Guerre mondiale là, était devenu compliqué situation santé. Il était mort vers août 1914. À l'âge de 79 ans. 30 années après l'enterrement Mali, il a examiné cadavre. Il a joué un cadavre intact. Les pattes décomposées, donc c'est un saint incorruptible. Autorité de l'Église a exposé le cadavre pendant 45 jours et avant de retourner à Téréli. C'est là ça, il a tout déclaré le serviteur vénérable. Pape Pidis était béatifié en 1951 et canonisé 29 mai 1954. Il y a une association qui était créée sous nom lui en 1970. C'est une association père catholique traditionnelle. Yo yoreleli Société de Saint Pidis, Society of Saint Pius X, SSPX.
Na dokima ki rele profesi de Saint-Malachia, ki se yon koleksyon 113 profesi ki gen pou we avèk papyo, pi disparèt kom ignis arden, yon di fe kap brile. Refleksyonon sou profesi de Saint-Malachie nan an ti mouman. À nous réfléchir, prophétie de Saint Malachie. Écoutez avec un peu d'attention pour nous comprendre, pour ne pas confondre bagayyo, pour ne pas mal interpréter yo. Faut nous pas trop fanatique non plus. Faut nous qu'un l'esprit ouvert. Prophétie de Saint Malachie ou bien prophétie papio, c'est un document qui était écrit en latin de type ésotérique, prophétique et puis eschatologique. Faut nous expliquer thème ça yo. Ésotérique veut dire c'est un ensemble enseignement secret, bagay qui caché à quelque monde qui initié seulement. Tant que monde qui na société secrète yo, monde qui na groupe paranormal yo, à non pas quelques exemples, tant que yoga, franc-maçon, parce que l'on a franc-maçon là. À chaque degré ou rivé qu'on sait des secrets à pas apprendre que monde qui d'ailleurs pas connaît même j'entends que na rose croix même l'être qu'on sait des méditations qu'a fait qu'il y a alchimie astrologie monde qui na magie donc tu qu'on sait des connaissances que c'est eux-mêmes seulement qui connaît. Alors prophétie de Malachie qu'un aspect ésotérique, ça veut dire qu'on série des bagailles nous pas jamais capable finir de comprendre parce que non pas initié. Les grands aspects prophétiques tout parce que la parlé des bagailles qui gagne pour arriver. Et puis les grands aspects eschatologiques parce que la parlé des bagailles dans dernier temps. D'après une tradition populaire, c'est un évêque irlandais, Yotere Malachi d'Armagh, un contemporain de Bernard de Clairvaux, qui t'a écrit prophétie de Saint Malachi. Mais c'est ça t'a vivre entre 1094 et 1148. C'est un bénédictin flamand, Arnold Rouillon, qui était publié dans la ville Venise en 1595, dans un ouvrage littéraire, Lignum Vitae, tant que curriculum vitae. Il était découvert document en 1590,
Et c'est Saint Malachi qui t'a écrit prophétie. Mais c'est un certain Alphonse Siaconius qui t'a écrit commentaire prophétie. Donc il m'a ça qui gagne 5 pages présenté 111 papes sorti dans l'année 1143 pour arriver en 1790. Ça veut dire sorti dans pape Célestin II pour arriver dans pape Urbain VII. En plus, il parlait de deux prophéties additionnelles. Une prophétie de Pierre le Romain, qui t'a un dernier pape à Rome avant Rome détruit, et il parlait tout des derniers jugements. Toutes 111 plus deux prophéties ça yo t'a réparti comme ça. 77 prophéties qui basées sur devise pape qui t'est élu de 1143 à 1592, ça veut dire avant publication du document, alors du pape Célestin II à pape Clément VIII. Et il y a 34 prophéties qui sont basées sur devise pape qui est élu après publication du document, et puis des dernières prophéties qui parlent de Pierre le Romain qui t'a venu après pape numéro 111 là, et qui t'a dernier pape avant dernier jugement, côté bon Dieu t'a venu juger tout le monde selon Zachio, selon parole, selon intention. Yo. Alors, à penser en parole par action et par omission. Des dernières prophéties, pas fin clair et y'a qu'un plusieurs différentes interprétations. Prophétie ça yo t'as Siracide ou bien Ecclésiastique, y'a un livre qui n'a Bible catholique à quelques autres dénominations, mais juif et protestant qualifié et des livres apocryphes et par conséquent qui pas na la Bible. C'est un livre qui parlait de la sagesse. N'a pas des images qui sur YouTube là, c'est une image de livre Sirachid qui est un artiste fait. L'ignome vitae présenté en trois colonnes. Une colonne qui gagne devise pape là, une colonne qui gagne non pape là. Et une dernière colonne qui gagne explication de vise là pour aboutir à prophétie. Donc, il m'a présenté une prédiction à partir de devise, à partir de devise papio, avec nos familles, à moi, pape là, et côté pape la fête. L'Église catholique pas dit rien sur document ça. Pourtant, chaque fois qu'il y a un conclave c'est une réunion cardinale pour élire un pape. Eh bien, chaque fois qu'il y a une réunion comme ça, document ça apparaît avec prédiction li, sous pape Capelia ou bien sous la fin du monde. Il y a quelques historiens qui disent c'est en 1790 que quelqu'un a préparé document ça pour influencer l'élection pape là. Mais ça n'a pas marché là ça. Je ne pas quoi document authentique. Les guerriers ont serré information alchimique et kabbalistique, c'est Malachi pas connaît. D'ailleurs, pendant 4 siècles et demi, avant 1790, personne n'a entendu parler d'un document comme ça. En plus, ce n'est pas toute prophétie qui était correcte, qui était tombée d'aplomb. Je pensais que c'était un document qui était fabriqué
dans le 16e siècle là. En général, c'est après pape la fin monté, yo kon adapté prophétie ya. Tant que ça qu'on fait pour prophétie Nostradamus et pour prophétie yo te fait sous Duvalier yo. Nous songe, bah connaissez nous content de ça déjà, mais ça dans YouTube, nous cap checker li. C'est pas bagay qui caché, li rele les prophéties confiées à Duvalier au moment de son départ en 1986. Côté de gen 7 onga qui était réuni, Duvalier était réuni au 16 janvier 1986. Duvalier t'es besoin connaît, alors Duvalier Jean-Claude t'es besoin connaît s'il a prêté ou bien s'il peut aller. Eh bien c'est nota de YouTube, chercher ça, des prophéties de Duvalier na YouTube, d'attendre reste là. Et d'après prophétie ça yo, ça a passé dans le pays jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un pour avec prophétie ça yo. C'était réflexionnant sur la prophétie de Saint Malachi. Non seulement partager information, connaissance, non pas ni attaquer ni appuyer aucune l'Église. Qu'on y a un pile connaissance qui était cachée à dévoiler. Ouvrir l'esprit d'eau pour nous comprendre et pour nous apprendre et pour nous comprendre. Continuer à faire recherche par nous, dans Internet. Prendre ça qui est bon, rejeter ça qui n'est pas bon. Qui a pu le causer. Hein? C'était Tessis Belfort pour faire la belle. À demain, si bon Dieu voulait.